Alors justement, tout à l'heure, tu évoquais que le parcours était relativement vallonné ici. Je pense que les coureurs, il va falloir qu'ils puissent visionner un petit peu toutes les vidéos que nous vous proposons, donc l'intégralité des trois parcours donc sur notre site. En l'occurrence, sur lachausseedesgens.com, vous pourrez voir donc l'intégralité du 53 km. Donc au moins, ils n'auront pas de surprise. Ils pourront s'apercevoir que donc l'ascension, c'est assez, on va dire, pentu. Le plat sur les crêtes où il va falloir pas mal relancer, derrière de fortes descentes relativement techniques, concrètement on ne va jamais véritablement récupérer. Il faut savoir que la gagne s'est jouée donc dans la descente de Chaumienne lors de nos deux premières éditions, avec l'ascension des Pergères derrière. Justement, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller d'un point de vue tactique pour celui qui veut jouer vraiment la gagne, ou au contraire celui qui lui vise plus finir dans les délais? Et donc, il faudrait peut-être voir un petit peu de se ménager à certains moments donnés du parcours. Oui, bien évidemment, là on est sur des formats relativement longs, avec plusieurs ascensions, plusieurs descentes, des changements de rythme incessants. Donc le but, ça va vraiment être de se préserver énergétiquement et musculairement dans la première partie. Comme je dis toujours, on passe beaucoup plus de temps à monter qu'à descendre. Donc on sera plus facile de faire des écarts en montée qu'en descente. Bien sûr, ça va dépendre des qualités de chacun, mais au moins sur les premières descentes, il va falloir vraiment se préserver, parce que c'est dans ces descentes-là qu'on va créer des lésions musculaires. Ces lésions, elles vont être irrémédiables, en tout cas durant le temps de la course. Donc il va falloir essayer de se préserver pour essayer d'être le plus efficace possible dans les montées ou les plats qui vont suivre. Donc je dirais jusqu'à maille. À la mi-course, il va falloir essayer de vraiment s'économiser musculairement. Et puis voilà, dans cette deuxième montée, on va pouvoir commencer à mettre la machine en route. Et puis bien sûr, dans la dernière descente, on peut lâcher les chevaux, bien sûr. Et il n'y a plus grand-chose. Même s'il faut se méfier de cette petite remontée à 3 km de l'arrivée qui va faire bien mal aux jambes. Alors justement, tu me parles beaucoup des ascensions, notamment donc celle des Pergères qui est juste après le deuxième ravitaillement de Maille. On va dire, on leur propose de prendre les bâtons. Je dirais même c'est fortement conseillé pour certaines parties du parcours, donc pour pouvoir gravir donc ces cols. Toi, qu'en est-il par rapport un petit peu au choix du matériel? La veille de course, il y a toujours un petit peu est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller au niveau du choix du matériel? Alors, pour en revenir au bâton, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de est-ce que l'intérêt de les prendre sera plus grand que de ne pas les prendre. C'est sûr qu'on va avoir un intérêt dans ces montées très raides de pousser avec le haut du corps. Après, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que j'en fais dans les descentes. C'est parfois difficile de s'équilibrer avec les bâtons dans la main. Alors, tout va dépendre de votre matériel, si vous pouvez les replier, les mettre dans votre sac, etc. Mais il faut avoir testé tout ça avant l'épreuve. Donc toujours se dire, il faut que je fasse la chose qui sera le plus efficace pour moi. Si c'est de prendre des bâtons, prenez-les. Si vous pensez qu'il ne faut pas les prendre, ne les prenez pas. C'est vraiment personnel. Moi, pour ma part, je ne les utilise pas, mais je les conseille pour certains de mes coureurs. Voilà, en termes de matériel de portage pour tout ce qui est énergétique, solide, liquide et vestimentaire, ça va être vraiment personnel. Certains vont préférer le sac à dos, le camelback. C'est vrai que ce sera un confort supplémentaire pour mettre un couvent, un bœuf ou quelque chose au niveau vestimentaire. Au niveau de l'alimentation et de la boisson, c'est vrai que le désavantage du camel, c'est qu'on arrive difficilement à voir la quantité de boisson qu'on consomme. Donc, on rappelle que c'est toujours environ 500 millilitres par heure. Donc, essayez d'emporter la quantité de boisson dont vous avez besoin entre deux ravitaillements. Donc, il faut essayer avant le départ d'estimer son temps d'effort entre deux ravitaillements par rapport à la distance et puis aussi par rapport au dénivelé. Voilà. L'avantage du porte-bidon, ça va être que
On quantifie. On arrive un peu plus à quantifier. C'est sûr que ça fait peut-être un peu plus de poids au niveau de la taille, donc il faut être solide, notamment au niveau des lombaires. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. D'accord. Et justement, au niveau du transport des boissons, tu conseilles plutôt donc, du coup, de prendre des sticks. Ça sera plus facile du coup pour diluer, après il n'y aura plus quoi mettre. Quoi. Oui, voilà, préparez vraiment la quantité de poudre dont vous avez besoin entre deux ravitaillements dans des petits sachets ou dans des sticks qui sont déjà prêts. Comme l'RJ-Effort. Avec l'RJ-Effort, donc on a des sticks qui permettent de rajouter 500 ml d'eau. Donc il faut à vous de calculer quelle quantité de poudre vous avez besoin et de préparer vos petits sachets avant le départ. Comme ça, de manière à ce que quand vous arrivez sur le ravitaillement, vous mettez votre sachet de poudre dans votre sac ou dans vos bidons et vous n'avez plus qu'à rajouter de l'eau.